quand je chante avec micro, en fait, j'utilise pratiquement pas du tout ma voix d'opéra. Et c'est tout un travail, justement, d'arriver à presque désapprendre. Mais vous débranchez la voix d'opéra, quasiment. C'est ça. Oui. Bah oui, parce que la voix d'opéra, c'est vraiment fait pour être chantée sans micro et pour porter le plus loin possible, donc pour avoir gorge ouverte et se servir de tous les résonateurs. Ce qui n'est pas du tout le cas du travail avec micro, qui est beaucoup plus intime et qui est finalement plus la vraie voix. C'est quoi un exercice de voix d'opéra? Vous voulez dire une vocalise? Vous voulez que j'en fasse une, là? Non, je vais vous demander autre chose, si vous voulez. Une chanson que vous connaissez, évidemment. Oui. Dont vous connaissez en tout cas les premières phrases. La première phrase, nous sommes des sœurs jumelles. Si vous le chantez en cantatrice... Ah oui, ben, c'est-à-dire... Nous sommes des sœurs jumelles. Ce qui est ridicule. Et en pas cantatrice. Nous sommes des sœurs jumelles. Voilà. Mais ça, oui, c'est pas la même personne. Ben non, c'est pas du tout... Le même moyen de s'exprimer, en fait. Voilà.